Mesdames, Messieurs, chers amis, pour la seconde année consécutive, compte tenu du contexte sanitaire, je n'organiserai pas de cérémonie de vœux. Je le regrette sincèrement. Ces échanges, cette proximité avec vous vont une nouvelle fois nous manquer. Mais face aux aléas de la vie et à l'adversité de ce virus qui nous empêche d'être ensemble, j'ai décidé une nouvelle fois de prendre des chemins détournés pour continuer d'avancer, coûte que coûte, et de garder ce lien qui nous permet de faire corps et cause commune. La distanciation sociale imposée par la Covid ne doit pas, en effet, s'accompagner de l'exacerbation de l'individualisme. Bien au contraire, seule la solidarité et l'unité pourront nous permettre de réussir les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est aussi pourquoi j'ai choisi la forêt de Retz pour vous présenter mes vœux. Adossée au château de Villers-Cotterêts, avec ses hêtres si chers à Alexandre Dumas. Candidate au label forêt d'exception, ce patrimoine naturel de notre sud de l'Aisne, avec la forêt de Barbillon, celle de Saint-Gobain, invite à l'évasion, mais nous ancre en même temps à la terre, à nos racines et à la nature. C'est donc avec un grand bol d'air frais que je vous souhaite à vous et à vos proches une belle et heureuse année 2022. Il faut bien se l'avouer, nous ne regretterons pas 2021, qui restera dans nos mémoires comme lourde et pesante. Elle m'apparaît pourtant essentielle pour aborder la nouvelle année avec joie et espérance. D'abord parce qu'elle a démontré que nous sommes tous interdépendants et que le monde si grand nous est apparu finalement si petit. Seule la solidarité permettra donc de lutter efficacement contre la Covid-19. Et je tiens une nouvelle fois à saluer le courage de tous les soignants, mais aussi des sapeurs-pompiers qui ont donné sans compter de leur temps pour sauver les vies. Et je vous le dis avec force, notre arme pour mettre fin à ce fléau mondial, c'est la vaccination universelle. Mais 2021 a été aussi un tournant pour notre ruralité. Une nouvelle dynamique s'est engagée par de nombreuses concrétisations. Grâce aux engagements de l'État que j'ai relayés et accompagnés avec les élus du territoire pour porter des projets structurants de la circonscription. Une méthode de travail qui s'appuie sur le collectif, mais aussi la détermination. Prenons aussi conscience que toute action locale a une répercussion planétaire. Ce qui est bon pour le sud de l'Aisne est bon pour le département, notre région, notre nation, mais aussi pour le monde. L'heure est donc au rassemblement et à l'unité pour poursuivre les actions entreprises depuis longtemps et de se saisir des opportunités pour faire du sud de l'Aisne un carrefour ouvert sur Paris, Reims et la Champagne. D'abord, l'ouverture de la Cité internationale de la langue française au château François Ier à Villers-Cotterêts. Point d'ancrage de la nouvelle dynamique engagée. Le château deviendra le point de départ ou d'arrivée de la route des écrivains Dumas, Racine, Paul Claudel, Jean de La Fontaine, mais aussi Camille Claudel, écrin de la langue française. La Cité internationale deviendra aussi le centre de la lutte contre l'illettrisme. Et notre département a vocation de devenir un pôle de référence en la matière. Vous pouvez compter sur ma volonté de rassemblement et d'unité pour faire gagner ce sud de l'Aisne que j'aime tant. En 2022, plus que jamais, fixons-nous comme cap l'intérêt général. Refusons la frime et le superficiel. Choisissons l'utile et la sincérité. Bonne et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous. Vive la République, vive la France et vive le sud de l'Aisne.